embrasse les mots. Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence. Et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson, Afoboukor, Ozan et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Bonsoir fidèle auditrice de la 95.3 FM. Bonsoir à tous les fans de cette émission. Nous sommes arrivés, c'est 20h, c'est l'émission MPM. L'émission de chaque jour, chaque vendredi et chaque samedi à partir de 20h. Nous sommes là pour 55 minutes de partage et de divertissement. C'est le mois de la femme, le mois de la femme. Et nous allons célébrer la femme au cours de cette émission. Par anticipation, nous allons parler de 8 mars. Et tous ceux qui sont nés dans ce mois de mars, j'ai un cadeau pour vous. Nous sommes là, femme belle, femme prospère, femme leader, femme émancipée, femme entreprenante, femme forte, femme énergique et femme. Derrière la belle vitrée, il est là l'unique, Anna Enya Defou. Au micro, Mr. Safson, la Fobou Kozo, a.k.a. Ton Swakamasta, Ton Thème, le Lone Mini. Félim. Bonsoir à tous. Bonsoir, Safson. Comment est-ce que vous allez? On va nous très bien. Nous allons maintenant. J'espère que, Iba, le week-end, ça donne quoi? Ouais, ça va très bien. Vu qu'on a même gagné à l'école, on a fait un interclasse et notre classe a emporté. Emporté, vous avez triché ou bien? Non, on a bien joué. Ouais. Tu as joué? Non, j'ai pas joué, mais j'ai suivi le match. Tu faisais quoi? Vu que c'était... Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Oui. C'est parce que Saf m'a vu sur la route et qu'il me demandait. Non, qu'est-ce que tu as fait concrètement au cours de ce match? Concrètement, je suis pas allée, mais j'ai suivi derrière l'écran ce qui s'est passé. Vous voyez, elle dit... Elle dit avoir suivi derrière. Je ne comprends pas pourquoi derrière. Derrière, c'est derrière parce que mon équipe sait déjà pourquoi j'étais derrière. Ça me va. Tu es sûr? Ouais. Ok. Farida, comment tu vas? Je vais très bien, Saf. Le week-end, ça annonce un mariage ou ça annonce rien? Oui, il y a mariage. Tu es invité? Oui. Tu es tiré? Non. Non, juste que tu on t'a invité. Oui. Okay. Je suis le bras droit de Ango. Ah, ok. Bras droit de Ango. Là, c'est bien ça. Ouais. Reine. Oui, ça sonne. Ouais, c'est comment? Ah, à merveille. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Pendant ce week-end, qu'est-ce que tu as fait de toute la journée? Ok. Sinon, ce week-end, ça va. Déjà, le vendredi.
nous avons fait un sketch concernant le 8 mars. Voilà. Donc, je suis en train de faire les préparatifs pour nos mamans, nos charmantes et émergentes femmes. Voilà, c'est déjà bien. Merci. Et ici, Samson, l'homme de la maison. Ouais. Le week-end, ouais, bon, quoi? Je me porte à merveille. Le week-end offre du sourire. Et je souhaite que vous tous vous me disiez, tu es chanceux. Tu es chanceux. Répétez encore, tu es chanceux. Tu es chanceux. Alhamdulillah. On se le partage après. Okay. Oh, okay. J'espère qu'il y a l'argent dedans. Ok, à tous ceux qui sont fidèles à cette émission, des mots à leur endroit. Et je vais pas tarder de slammer d'abord bénédiction à mon oncle chéri Akassi Samouna depuis Bago. Et maintenant, confiance à une charmante, elle s'appelle Rumiatou, depuis quelques pas proche de nous, à Chino. Ok. Je dédie le mot amour à l'endroit de Germaine Tropo, notre charmante et merveilleuse caissière, trésorière de classe. Okay. Et à Tony, je le souhaite une bonne chance pour sa continuation. Ok, sa continuation. À nos mamans charmantes, je vous dédie le mot émergente. Et à nos papas chéris dans le monde entier, le mot amour pour pouvoir aimer nos mamans. Merci. Merci. Je dédie le mot condoléances à M. Nanoate et le mot amour à M. Aruna. Amour et condoléances. Voilà, quand il y a condoléances, il doit avoir l'amour aussi pour que ça puisse grandir et grandir. Merci, Anna. C'est bon? Ok. Ouais, nous sommes là, c'est samedi et c'est MPM, votre émission de chaque samedi à partir de 20h pour le partage. Nous allons, comme annoncé, vous offrir ce son. On parle de la femme, on est dans le mois de la femme. Nous, ici, nous allons célébrer la femme. Nous allons célébrer le 8 mars par anticipation. Parce que nous aimons la femme, c'est nos mamans, c'est nos cousines, c'est nos princesses. Et à tous ceux qui sont branchés, je dis bisous à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs, à nos princesses. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes là et nous allons décoller avec Sika. Le titre, Momo Kankwa, Sika. Les femmes sont nos muses qui nous amusent. Nous inspire, nous transperce, nous élève, nous abaisse. Pour elle, nous sommes prêts à refaire le monde. Par elle, nous avons doute et douceur en une seule seconde. Vous nous faites faire l'impossible, surtout quand vous êtes crédibles et compréhensibles. Les femmes sont fragiles et habiles, et sont nos plus belles poésies, écrites avec pleine philosophie. Vous nous faites avoir des ailes, surtout quand vous avez du zèle. Les femmes sont nos muses qui nous amusent, nous inspirent, nous transpercent, nous élèvent, nous abaissent. De la vie, nos peines et joies, nos paix et foi. Nous sommes vos mâles, êtres. Vous êtes notre mal nécessaire. Les femmes sont nos rimes et nos rames, nos crimes qui nous crament, celles par qui nous avons existence. Vous faites ce que nous sommes. Vous faites ce que nous sommes. Les femmes sont nos muses qui nous amusent, nous inspirent, nous transpercent, nous élèvent, nous abaissent. Voilà qu'avec ce son, nous disons bonsoir à Jerry Moutak, bonsoir à Prisa, Prisa, bonsoir à Ndjanka, bonsoir à Foulou, bonsoir à Soulé, la Pégase. J'espère que
tu vas bien? Bonsoir à Azim depuis Alhamdou. Et bonsoir à Afetom, bonsoir à Kabir, bonsoir à tous les branchés, bonsoir au chef, bonsoir à nos mamans, bonsoir à Princesse Sarah depuis Agou, bonsoir à toute la famille Taoulessi, de Dany et de Par. Je n'oublie pas Monsieur Kanda depuis Haho. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là et nous sommes toujours branchés. Sika, Momo, et on continue. Les femmes sont nos muses qui nous amusent, nous inspirent, nous transpercent, nous élèvent, nous abaissent. Voilà, Momo Kankwa, Nonye Nyesika. Hey, Izimi. Soft sound. Nonye Nyesika. Comment est-ce qu'on dit ça en, dans ta langue? Tout le monde va dire ça aujourd'hui, dans sa langue. Nonye Nyesika. Ça veut dire que ma maman est de l'or. Ça veut dire que c'est de l'or, quoi. La maman est l'or. Ok. Comment est-ce qu'on dit ça dans ta langue? Ma faille fait mes zinaria. Zinaria. Hey. Attends, ma zinaria là, c'est pas dans ta langue. C'est dans notre langue. Même votre, dans votre langue là, c'est pas zinaria. C'est zinaria. Non. Zinaria, l'or là, dans votre langue, c'est pas zinaria. Oh. Voilà. Mais bon, je te concède ça, il n'y a pas de souci. Ok. Oui. C'est pareil. C'est pareil, c'est dans la langue. Non, répète ça. Ma faille fait mes zinaria. Ça, c'est tricherie ça. C'est pas tricherie. Tu m'as dit ça dans quelle langue? Anévé. Anévé. Ok, on y va. C'est ça la personne à chanter. Chacha, hein? Il a dit quoi? Eh bien, Sika. Maintenant, toi, ta langue là, c'est quelle langue? Tamberma. Maintenant, Tamberma, dans Tamberma, il n'y a pas or. Ok, Tamberma, maman, c'est quoi? Mma, Ntita. Ntita, c'est papa ça. Mma, c'est mma, on dit souvent. C'est pas moi. Il faut chercher ça. De là, prochainement, là, tu vas dire ça. Sinon, papa, on dit Ntita. Ntita. Non, je ne parle pas de papa, je parle de maman. Maman, là. Ah, il dit maman, là. Ok. Oui, Farira. Oui, Saf. Dans ta langue maternelle. On dit quoi, là? Mon gokemo or. Or, là, c'est or, là, c'est ta langue. Non, je dis la langue maternelle. Je dis pas la langue. Dis dans ta langue maternelle. Oui, non, c'est ma langue maternelle. La langue maternelle. Et la langue paternelle. Ok, la langue paternelle. Oh, là, ça, je ne comprends pas. Tu comprends quelle langue? La langue en général. Hein? Je comprends Kotokoli. Ok, merci à toi de comprendre. Farida, comment est-ce qu'on le dit en Haoussa? On ne comprend pas Haoussa. Tu comprends où ça? Non. Allez. Comment vas-y, appelle... tu es où ça? Vas-y. Comment est-ce qu'on appelle maman en Haoussa? Mamana. Mamana, ok. Mamana na or. Tana, okay. Comment on gole? Ah, on gole, ok. Nous allons aller à la surprise pour voir ce qu'il y a. Oh, ça. Il y a encore surprise. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur, ça commence aujourd'hui. C'est des questions qu'on appelle questions pimentées, sensuelles. Et puis, on va commencer avec Isimi. Sachant, je suis là. Ok. On va jouer avec un Michael dans le monde. D'accord? Donc, il faut ouvrir. Active tes sens. Et puis, quand je dis un Michael créateur de pop musique, c'est quel Michael? M. Michael, créateur de pop music. C'est quel Michael? Michael Jackson. Oui, rien à trouver. Créateur de pop music. C'est Michael Jackson.
On y va. C'est maintenant que j'ai compris la question. Ah, bon, dit, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ça, la question était celle. Un Michael dans le monde. Un Michael qui a créé le pop music. Oh, tu m'as dit que maintenant tu as compris. On y va. Tu as perdu deux points, celle que tu as pris les deux points. Un Michael, joueur de basket. Un Michael, joueur de basket. C'est Michael Jordan. Michael Jordan, tu as les deux points. Ouais. Voilà. Un Michael qui s'est évadé de la prison. Un Michael qui s'est évadé de la prison. C'est toujours moi. Oui, c'est toujours toi. C'est combien de questions? On y va, c'est toujours toi. Un Michael qui s'est évadé de la prison. C'est Michael Tupac. C'est Michael Scofield. Scofield. Tu n'as jamais regardé Prison Break? Non, non. Tu ne regardes pas les séries. Voilà. Scofield. Un Michael qui n'est pas du tout connu. C'est Michael, mon élève. Voilà, ça t'a tourné de Félicitations. Il s'est mis à 4 points. On va aller avec Iba. Ouais. Iba, Iba. Ok. Iba. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui pousse une femme africaine à se couper les cheveux? Qu'est-ce qui amène une femme africaine à couper les cheveux à un moment donné de sa vie? La maladie. Si quelqu'un donne une bonne proposition, il prend le point. Bon, pour se rendre belle aussi, c'est un point. Ah bon? Qui dit autre chose? La vieillesse. Oui. C'est le mot de tête. C'est quoi? Si elle a un deuil. Voilà, en deuil, oui. Elle a deux points. Grave. Voilà. Les femmes de veuvage, tout ça là, on demande à ce qu'on... Voilà. Maintenant, deuxième, lorsque la bouche de ton ami sent, ou de ton amoureux sent, comment lui dire sans le vexer en une phrase? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et si on brossait les dents? Et si on brossait les dents? Est-ce qu'un brossait, ça n'est pas si facile comme ça. Et après deux secondes, tu dis, si on brossait les dents... Est-ce que ça peut marcher? Non. Ouais, je crois. Qui va me donner quelque chose? Laisse-moi brosser mes dents d'abord. Qui va me donner autre chose? Autre chose? Ça sent. Ah. Non, vous allez, voilà. Elle a un point. Quoi? Prends ce bonbon. Voilà. Souvent je fais ça. Si je sors souvent, j'ai des biscuits et des bonbons. C'est la meilleure astuce. Oh. Un chewing-gum. Oui, tu dis pas. Voilà, c'est comme ça. En c'est même ça. Temps, il sent qu'il sera que bon. La dernière. Mm-hmm. Mm-hmm. Lorsqu'on suit un match de football et tout à coup on coupe l'électricité, quel est le cri qui donne? Oh! Voilà. Wow. Merde. Ça veut dire deux. Deux. Là, il y a 4 points. Il y a quelque chose qui reste. C'est pas... Oh, Togosel. Togosel. Ou bien mou. Allez, doucement. On y va. On va aller avec Farida. Farida, tu vas me donner une réponse avec un mot terminé par heure. Donc, il faut écouter attentivement et tu donnes la réponse avec un mot terminé par heure. On y va. Il jette un coup d'œil sur les papiers des autres pour gagner une réponse. C'est qui? Lorsque vous êtes en classe, il y a quelqu'un qui jette des coups d'œil pour... On appelle... Professeur. Oh. Tricheur. Ah. Voilà, elle a pris le point. On y va. Il prend ce qui ne l'appartient pas. Voleur. Tu as les deux points. Il dit toujours le contraire de la vérité quand il fait des gaffes. C'est un... Menteur. Un menteur. Tu as 4 points. On est avec Reine. Oui, ça. Quand tu soulèves un pied, c'est-à-dire que quand tu soulèves ton pied gauche, quel pied reste au sol? Le pied droit. Le pied? Droit. Ok. Quand tu craches en l'air, qu'est-ce que tu reçois en retour? Les salives. les gouttelettes de salive, non. On y va, tu as 4 points. Mm-hmm. Quand deux personnes se bagarrent pour un billet de 1000 francs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un billet de 1000 francs. Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui me donne la réponse? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Quand deux personnes se bagarrent à cause d'un billet de 1000 francs, qu'est-ce qui n'a pas marché? La compréhension. C'est le partage. Quel genre de partage? C'est le partage équitable. Ah, c'est quel genre de partage? Partage inégal. Inégal, voilà. Oh, quand tu dis le partage, c'est que... Il y a un qui veut prendre 600. Oui, l'autre 400. Donc c'est illégal. Voilà, c'est surprise chronique. On a terminé. Ça fait 4-4-4. Vous avez perdu les 2 points. Moi, j'ai 6. Toi, tu as au-delà de 6. Oui, plus moi, j'ai aussi 6. Non, toi, tu as 4. J'ai elle a 6. Moi, j'ai 6. Et ça va continuer comme ça. Et dans peu de temps, nous aurons un mini-débat. Un mini-débat qui dit émancipation de la femme. Donc, à 50-50. 50-50 dans un foyer, normal ou anormal, pourquoi? Vous allez nous donner vos arguments et on va voir. Et en attendant, nous allons rentrer dans les tasses de verre et on va revenir pour voir ce qui va se passer. Les tasses de verre vers le maître des verres. Donc le vent nos verres pour d'hiver vers le calembour. À la santé. Tchin tchin. À la santé, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission MPM, mot pour mot, et c'est dans avec Issimi Kalambour. Sofson, bonsoir. Comment tu vas? Je me porte bien. J'espère que Kalambour d'aujourd'hui, ça peut donner quelque chose de bien. Ouais, il faut dire que les Kalambour d'aujourd'hui sont juste un texte libre, et il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne de la vivacité, de l'activité à l'éducation, avec APC. Il faut mettre l'élève à l'action. Voilà. Et si nous allons laisser les élèves exprimer leurs pensées à travers les actions. Ok. Et à Citapa, nous ne faisons pas SM simplement. Ok. Nous relions l'action à la parole. Voilà. Je vais alors déclamer ce slam à mes élèves et c'est un devoir pour eux. Ok, voilà, pour que ce test soit riche, nous allons demander à Anna de nous balancer l'instru Cora. Et on y va. Face à la tranquillité d'esprit tant convoité, je n'utilise que mes mots pour arracher ma liberté. Bienvenue. Bienvenue à APC, ce système qui veille, qui éveille et qui réveille l'éducation. Avant que nos tympans ne soient bouchés par l'ignorance, l'intolérance, la violence, l'oppression, laissez-moi nous rappeler que le sens de la démocratie ne se limite pas au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais plutôt le fait de faire épanouir l'humanité en se basant sur 3 points. La vie, la liberté, et la poursuite du bonheur. Alors arrêtons. Arrêtons de lui mettre au cou la porte politique, religieuse ou professionnelle ou ethnique, puisque toute entité doit sa vie et sa valeur à l'autre. La tolérance, le vivre ensemble reste toujours une solution face aux péripéties que croise l'humanité. C'est pourquoi ici on a vendu la rébellion pour s'acheter l'union au prix de l'acceptation de l'autre et de l'interaction avant que l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. Alors posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur l'afro-américain Martin Luther King, sur l'indien Mahatma Gandhi et sur l'ouest africain Nelson Mandela. Si la paix et la tolérance ne se mariaient pas au pardon et à l'humilité, que serait ce monde aujourd'hui? Alors ici à Citapa, nous rejetons la discrimination sociale, l'égoïsme, le tribalisme, l'intolérance et la violence dans toutes ses formes pour faire triompher la paix dans la solidarité. La paix et la solidarité dans la laïcité. Ici à Citapa, nous ne faisons pas SM simplement. Nous relions l'action à la parole. Avec des paroles sensées et des actes pensés, nous faisons de nous des citoyens modèles pour des futures générations. Issimi Ijoyé. Bravo, bravo, bravo à Issimi Ijoyé pour ce test. Ce test de citoyenneté, ce test patriotique qui éveille les sens, qui corrige les mœurs,
qui donne la force aussi et qui éduque en même temps. Merci à toi, monsieur Issimi Idjoye. J'espère que tes enfants seront à la hauteur de ces tests. J'en crois. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont le faire. Je serai là pour au moins aller suivre et puis essayer d'apporter quelque chose à ses enfants. Hâte de vous recevoir. Merci beaucoup. Et nous allons essayer de donner ce sourire à nos mamans encore avec ce test, ce jeune homme, un slameur qu'on appelle Mishka la voix de la sagesse. Il a écrit un test, un son qui est intitulé Femme. Nous allons écouter Mishka la voix de la sagesse sur la 95.3 FM. Mishka la voix de la sagesse. On écoute. Femme, fleur engendrée par une mère merveilleuse éclatante, je te porte dans mon cœur. Au regard de tes bienfaits pour moi, femme, je te mets au premier rang de cette merveilleuse vie que tu m'as donnée. Et célébrer ne serait que la première des choses que je puisse te donner, car tes trésors ont mérité d'être recherchés. Avec mon armure, ma bravoure et ma dague, je parcours l'humanité sous le soleil brillant à la recherche de mon glorieux trésor. Femme, tu es une lumière, une éclair, une étincelle, une lumière qui éclaire mon monde. En toi, je mets toute ma confiance. Tu éclaires ma marche dans le noir. Je suis en joie une fois près de toi, car tu es la lumière de ma vie. Dans mon lit, femme, tu éclaires mon sommeil, mes rêves. Tu es la première qui éclaire et la dernière à s'éteindre. Ma plume te qualifie comme le jour et la nuit. Aujourd'hui, je te rallume éternellement avec mon slam, car je suis un voyageur sans espoir. Parce que tu es le seul chemin que j'emprunte, c'est pourquoi je te loue, célèbre femme. Tu t'appelles femme, tu es une élève du lycée au cœur de la sagesse. Tu marches avec le respect, la soumission. En toi, j'ai connu l'amour, le pardon. Dans ton lycée, tu nous enseignes les cours de responsabilité et d'espoir. Quand tu prends la parole, tu nous montres le chemin à suivre. Femme, tu es la partisane de la vie qui demeure et du bonheur qui ravit. Tu es la bienfaitrice de ceux et celles qui espèrent. Ta voix est un devoir qui pourvoit aux grands besoins de voir en toi des gloires. Je lis ma voix à ma sagesse, femme, pour te dire que tu es la mère de l'humanité. Mama, oh, mama, Je lis ma voix à ma sagesse, femme, pour te dire que tu es la mère de l'humanité. Mama, oh, mama, Te connaître, oh, femme, c'est comme naître en ton être au jour du bien-être que pénètre de la raison. Femme, demain ne resterait plus un simple mot, mais une raison d'exister qui fera couler ma vie dans tes entrailles. T'es dit, tu es sage, femme, ne voudras jamais... Femme, 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 Mishka, la voix de la sagesse sur la 95.3 FM. Nous sommes dans le mois de la femme. Dans le mois de la femme, il faudrait que les hommes, nos papas, tous les hommes doivent porter les femmes au dos. Ça, c'est forcé. Ça, c'est la journée de la femme. Il faut porter les femmes. Anna, tu dois porter madame au dos. Et vous allez cuisiner pour tout le mois de mars. Là, vous allez cuisiner pour les femmes. J'espère que non, c'est vous ça. Bien. Moi, j'ai déjà commencé depuis le premier. Et wow, chaque matin, aller, je me lève, je balaye la cour, je puise de l'eau, je prépare, je lave les enfants. Et puis, maman, elle dort. Hey, madame, dort. Allez, moi, je vais faire. J'espère que vous allez emboîter le pas de ce monsieur-là. Je donne exemple. On dit entre parenthèses, mais si je ne fais pas, je fais entre parenthèses. Donc, c'est ce qu'il devait faire. Allez, commencez par le faire, les hommes. Les femmes, là, elles méritent ça. Tu vois, bon, je dis ça même, les femmes sont étonnées. Donc, je vais leur dire, ne faites pas. Non. Faites. C'est ça. Chez moi, on fait déjà, donc. Ah, c'est toi, on fait déjà. Ok. Toi, papa ne fait pas. Pourquoi? Papa n'est jamais libre. Non, pour ce mois, elle doit être libre. Ok. Ok. Tu as dit ok. Sur ce, nous allons aller chez nous. On va parler de ces belles dames. Nous sommes dans le monde de la femme. On va parler de chez nous. Allez, avec Rennes.
chez nous. Des valeurs, des noms, des espoirs, des champions, bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Et si nous sommes avec Reine, Reine, comment tu vas? Oui, je vais bien. J'espère que ça va. Oui, ça va. Ok. Aujourd'hui chez nous, on va parler de qui? Aujourd'hui chez nous, quand nous sommes dans le mois de la femme, ouais, nous allons parler de, des avantages que nous avons avec l'émancipation. Oui, l'émancipation. Oui. Ok. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'émancipation? Mm-hmm. L'émancipation, c'est la promotion, l'émergente de la femme. Mm-hmm. Comment est-ce qu'une femme peut être émergente? Mm-hmm. Donc, tout d'abord, quels sont les avantages que nous avons en tant que les femmes émergentes? Mm-hmm. Nous avons comme avantage être autonome et indépendante. Voilà. Et après cela, nous avons aussi la liberté d'expression, de vivre pleinement, d'agir comme de droit, de s'épanouir. Et également, nous les femmes, avec cette promotion, nous avons aussi la chance de participer à des décisions politiques, sociales et professionnelles dans notre pays. Ensuite, cette promotion ôte la peur en nous. Nous, les femmes qui n'arrivaient pas à s'exprimer, à parler en public avec l'émancipation, les femmes ont maintenant le courage de pouvoir parler, de s'exprimer librement partout où elles seront. Également, comme un adage le dit, bien comme on le dit, n'est-ce pas naturellement, on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, faire la promotion d'une femme, c'est faire la promotion de toute une nation. Donc, la promotion, là ou bien l'émancipation, est une très bonne chose que nous devons accorder à la femme. Maintenant, on peut ajouter en disant à nos papas que ce n'est pas seulement positif pour les femmes, mais eux aussi bénéficient. Eux aussi en bénéficient. Parce que quand la femme travaille, déjà, il y a une diminution de la responsabilité de l'homme. Oui. Avant, c'est que tu donnais 5000 francs comme, comment on dit, petit déjeuner, je ne sais pas. Maintenant, quand la femme travaille, des fois, tu vas faire tricherie, quoi. Tu laisses 2000, tu dis à madame. Bon, il faut gérer ça avec les enfants le soir, on va voir. On verra. Donc, il y a ça aussi. Ensuite, ça donne une meilleure chance au foyer. Si la femme est émancipée, ça donne une meilleure chance au foyer. Ensuite, cette émancipation donne une valeur à l'homme. On te dit, voilà, monsieur, ta femme, elle travaille, elle est telle, telle, telle. Ta femme, maintenant, elle est ministre ou bien quelque chose. Tu vas te vanter à cause de ça parce que ta femme, elle est bien. Puis tu es respecté. Tu es respecté aussi. Et ensuite, ce que ça donne, c'est que ça donne une bonne éducation à vos enfants. Okay. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans chez nous. Merci. Ok, dans chez vous. Mais il y a une question qu'on pose. On dit, est-ce que les femmes émancipées, ce sont seulement que les femmes là, qui parlent au boulot, qui travaillent, qui font des trucs, et les femmes qui sont au foyer ne sont pas émancipées? Oui, elles sont émancipées aussi. Pas forcément travailler dans les postes qui veut dire émancipées. C'est ma vieille qui a envoyé le message. Merci. D'accord. À toi. Nous allons continuer et nous allons aller dans notre rubrique solution avant de venir. Allez, ciao, ciao, ciao. On naît, on grandit, des problèmes on rencontre, faisons une solution. Bienvenue. Ouais, faisons une solution. Nous allons essayer dans faisons une solution, découvrir des femmes. Parce qu'il y a des termes qu'on utilise le plus souvent que les gens n'arrivent pas à comprendre le sens en fait. C'est quoi telle femme? C'est quoi telle femme? C'est quoi telle femme? C'est quoi telle femme? Et nous allons écouter Farida. Allez. Tu vas encore nous expliquer c'est quoi une femme émancipée. Ok, merci Saf. Une femme émancipée est une femme qui se libère de l'état de dépendance, s'affranchit des contraintes sociales et préjugés. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'une femme leader. Une femme leader est une femme qui inspire confiance et guide une équipe grâce à son charisme, son intelligence émotionnelle et son exemplarité. Mm-hmm. Une femme battante, c'est une femme qui aide son mari à penser positivement et à faire
face aux moments difficiles avec moins de stress. Ok. Et on continue? On continue. Une femme entreprenante, oui. c'est celle-là qui prend des initiations ou qui crée des activités génératrices de revenus. On peut ajouter, une femme ménagère est une femme qui a une passion des travaux domestiques culinaires. Ok. Là, on nous a parlé d'une femme émancipée, une femme leader, une femme battante, une femme entreprenante, une femme ménagère. Toutes ces femmes-là, c'est-à-dire que quand vous attendez encore, c'est quoi femme leader? C'est quoi femme émancipée? C'est quoi femme entreprenante? Vous avez la solution. Et maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi, pourquoi le 8 mars. Parce qu'on va anticiper le 8 mars. Maintenant, quelle est l'origine? C'est pourquoi le 8 mars? Pourquoi avoir choisi le 8 mars pour la femme? Ok. Il faut dire que le 8 mars, origine du temps post-guerre mondiale, c'est-à-dire le temps après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, suite aux retombées désastreuses de la Deuxième Guerre mondiale, il avait eu manque d'hommes. Donc, les femmes sont obligées de remplacer les hommes dans les services, que ce soit au poste administratif, politique, religieux ou professionnel. Ceci a permis aux femmes de reconnaître leur capacité d'exercer les activités de plein épanouissement. C'est ainsi que le 8 mars 1977, les femmes se sont soulevées pour réclamer leur liberté et leur droit d'exercer les fonctions d'épanouissement sous le pied d'égalité avec les hommes. Voilà. Et c'est bon? Oui. Ok, merci à toi. Tout ce qui est fait le 8 mars, sachez qu'il y a eu des femmes qui se sont soulevées contre ça. Ils se sont soulevées pour aider les hommes. Et voilà que c'est depuis lors que le 8 mars maintenant a été décrété la journée de la femme. Donc, la femme, maintenant, est-ce qu'il y a la journée de l'homme? Est-ce qu'il y a ça? Ça viendra. Ça viendra pour eux. Vous n'avez pas de journée. La femme ne vit que le 8 mars. On triche l'homme. Non, on ne triche pas l'homme. C'est que depuis un temps, la femme était oubliée. Marginalisée. Elle était oubliée carrément dans la société. Et c'était toujours les hommes qui sont à la tête. On dit homme. On sait qu'un Dieu même a créé l'homme comme la tête. Pourquoi vous voulez être contre ça? Non, on ne veut pas être contre. On veut être à côté. On ne veut pas être sous les pieds. Ah, vous ne voulez pas être sous les pieds? Non, juste à côté, quoi. Être à côté de toi. Quand tu fais la main comme ça, tu me trouves en même temps. Ok. De ne pas me chercher. Maintenant, quand tu disais que la femme a été marginalisée depuis longtemps, est-ce que la femme là n'était pas à côté? Non, en ce moment, elle était seulement cachée, enfermée. Quand on veut aller à la jeunesse, qui a croqué la pomme pour donner à l'autre? Non, ça, tu sais, on sait, la femme, elle tente à tout. Non, attends. Oh, okay, c'est qui la a femme. Croqué la pomme pour donner c'est à l'autre? C'est la femme. Ok, on y va, merci on beaucoup. On n'a pas obligé l'homme quand même à manger. Avant que nous revoyions des choses avec clarité, il faut que nous revoyions aussi nos expressions. Mmh. On dit souvent, derrière un homme, Derrière un grand homme se trouve toujours une très grande femme. Voilà. Mais plutôt à côté d'un homme se trouve une grande femme. Ce n'est pas à côté d'un grand homme, mais à côté d'un homme se trouve une grande femme. Voilà, c'est maintenant l'expression ça qui a changé. Mmh. Et tu es pour ça? Oui, moi j'en suis. tu as voté pour ça? Bien sûr. Ok, merci. J'en ai décrété. Donc, tu es féministe maintenant? Oui. Ok, merci beaucoup à toi. Nous allons encore chérir, magnifier nos mamans et nous allons vous proposer ce son à Dinon. Un son de Elfriza, Mise Mort. On va s'écouter, on va revenir sur la 95.3 FM. À Dinon, Elfriza. Elle frise bat dans les tacs bantor, poupouille a dit non. Obélé,
Evienye mi korata jina no amsona ka klasok baneo. Vwa kaflan, kaflan yambe ma bion bede. Ne devyang bani vyo chan ka klebe la sokpea. Didi Music, Shelep, Léonel. J'étais dans la peau, puis c'est toi qui me rend dingue. Daha guerre de menon ma sera. Tout petit, t'es la seule que je distingue. Aïe. C'est vrai ton sourire, tu me la rends grâce au mien. Je t'aimerai toujours, tu le sais, c'est certain. Wele, oi, o, choi, gana, chan, manoku. Choi, bene, chan, manoku. Choi, niger, chan, manoku. O, choi, gana, chan, manoku. Choi, bene, chan, manoku. Choi, niger. Burkina, Côte d'Ivoire, ton Maroku, oh, eh. Wene, 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 et donné. Okwe, 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 ton yébade. Wene, 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 et donné. Okwe, 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 ton yébade. Mayado, yem le dona jino de pepe. Que le due je si be de vire la toe basi me lava no po kope la video. Beda mayado, yem le dona jino de pepe ta. Que yem le due je si be de vire la toe basi me lava no po kope le tepe de o. Nyano yam de na de kale jino. Yen ti an chanye ma de de kale di kaka baba tobe ma ba de vele di o. Yenti sok be vivi, e di ha vivi bede. Awe nonye a dino. E tonye do la dino, be la dio, la di mani vino, la den kotono. Awe nonye a dino. Form da kodi, ale tanye dara no di na no di ha vivi onam. Vare tonyo nya. Mbabi di kuro, be tanye la no di na no nyo duam nyabo la no anje konam. Vam de kuku de bon matono. Be Roumenia de Léa, et Vicou Noé Blonné, Sénégomé, Léonel, Wenye et non, si la guerre d'Oda, Wenye et non, Wenye et non, Wenye et non, Mounia n'aime les blancs à Miala, Mia Bévio, mille et d'un banc, Mia Bessom et les cinq bancs. Yem ya be school be jeno le ku segle segle. Yem ya non anani bunata me kaka no gena la kota na o sege sege. Nyano nyamu de na de kale jinyo. Yem ti an chanye ma de de kale di kaka baba tobe ma ba de vele diyo. Yem ti inso be vivi le di habede. Awe nonye a dino. Et tonye no la dino be la dio la di mani vino la den kotono. Awe nonye a dino. Fom da kodi. Na le tanye dara no di na no di ha vivio nam. Vware tonyo nya. Mbabi di kuro be tanye la no di na no. Awe nonye mbabi di kura benari. E tanye la no di na nonyo nya benari. O le jinko nam lo. Ah là là, c'était Elfriese Mizmor. Le son est titré Adjino. Vous voulez l'écouter, allez sur sa chaîne YouTube, Elfriese Mizmor, et vous allez savourer. C'est quelle chanson, là, nous, maman, chante quand on était bébé, moi. Quand les enfants pleurent, là, c'est quelle chanson? Niente me djedje vielo tobolo, niente me djedje vielo. Dongolo. Mega favi les amenamo, mega favi les amenamo. De la rockbellation amno, djedje vielo tobolo. À part ça, il y a autre. Quand l'enfant pleure, on chante quoi là? Toutou bovi, toutou bovi. Maman moula huyamo, dada moula huyamo. Ao djedje vinye, bonu bonu po. Ao djedje vinye, bonu bonu po.
Voilà, c'est nos mamans. C'est, voilà, il faut magnifier nos mamans. Elles sont là, elles sont toutes belles. Elles nous aiment. Nous allons aller dans le royaume. On va revenir royaume. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles, auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission MPM, mot pour mot, et c'est avec Iba. Iba, bonsoir. Bonsoir, Samson. Slogan. Bon, on va parler de l'hypocrite de nature. L'hypocrite de nature. On va parler de la nature et de ça, son hypocrisie. Ouais. Ok, on y va. L'instru avec Anna et on va voir ce que ça va donner. Hypocrite de nature. Homme, j'ai besoin de parler. À qui devrais-je m'adresser? Je vis dans un monde où je ne connais personne. J'observe l'immonde qui, dans le cœur, résonne. C'est difficile de lire en soi cette paralysie qui se régénère dans l'humain comme l'hypocrisie. Tu ne m'aimes pas, pourquoi ne pas me le dire? Pour qu'en silence, en silence, je puisse réfléchir. Comme un rideau sans lambeau, on te tourne le dos. Le cœur devient si lourd sous le fil de ce fardeau. Aujourd'hui, j'enregistre le titre des meilleurs amis et pire, des faux promoteurs à double vie. Quand tout va de bien, ils te chérissent bien. Je me demande pour les mensongers, il en faut combien avant qu'on ne démasque leur soi-disant soutien afin de s'épanouir pour un nouveau quotidien. Il suffit que le temps modifie un peu, juste un peu les choses. Tu verras que personne ne se battra pour ta cause. Ces soi-disant amis, amis, disons-le, feront tous une pause. Il te reviendra alors de lutter toi-même sans pause. La pire vérité, la vérité est qu'ainsi la vie est faite. Et pour réussir, il faut traverser ces défaites. Que cette nature de caractère inhumain ne détruise en nous la vraie nature humaine. Celle qui nous fait cultiver la tolérance. Et qu'autour de nous, nous donnons l'assurance. Pour le cœur et âme cherchant à comprendre le sens qu'être loyal envers son semblable pour une bonne croissance. Georges Toupie, dit ambassadeur des mots AMDNS, cœur brisé. Ouais, Georges Toupie, merci ambassadeur des slameurs. J'espère que ça va. Merci à toi, Georges, pour ce test. Et nous disons bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écrivent. Merci à toi, Soulé de la Pégase qui dit « Faut savoir que toutes les femmes sont toutes belles avec ton équipe. » Merci à toi, merci. Soulé. Merci. Oui, elles sont toutes belles. Merci à toi. Mais ne viens pas ici. Ok, nous allons tout de suite lancer le débat. Le débat, c'est simple. Émancipation de la femme. Émancipation de la femme, donc 50-50 dans le foyer. Nous avons quelques minutes pour faire le tour des tables, normal ou anormal. Nous allons commencer par Iba. Émancipation de la femme, donc 50-50 au foyer. Ça veut dire que si monsieur paie l'électricité et la maison, madame doit payer et la facture d'eau et puis les popotes. Oui, on y va, Iba. Oui. Bon, pour l'émancipation de la femme, j'en suis pas contre, mais au foyer, j'en suis contre. Pourquoi? Parce que l'homme est le maître de la foyer. Du foyer. Donc s'il laisse la femme diriger le foyer à sa place, qu'il ne vienne pas dire qu'elle m'a manqué du respect, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Donc pour moi, je crois qu'au foyer, la femme est soumise à son mari. Il n'y a pas fait de 50-50 au foyer. On sort dehors, on le fait, mais à la maison, je suis supérieure à toi. C'est ainsi, quoi. Le mari est supérieur ou bien la femme est supérieure? Oui, le mari est supérieur à sa femme. Au foyer. Oui, la femme s'adoucit au foyer. Et pour toi, l'émancipation s'applique où? L'émancipation s'applique partout. Ce n'est pas affaire de dire ça s'applique pas au foyer. Ça ne veut pas dire que la femme ne va pas aider son mari, en fait. Ce que je veux dire, c'est que... Tu es contre 50-50. Ouais, parce que si le mari ose la voix, ça veut dire que la femme va oser la voix.
Maintenant, c'est l'homme, non? Tu as dit c'est l'homme de la maison. Donc, si c'est l'homme de la maison, il peut hausser la voix. Oui, l'homme peut hausser la voix, mais la femme doit être tendre. Donc, ça, c'est pour éviter les 50-50. Merci. Ouais, ouais, Reine. Oui, Samson. Émancipation de la femme, moi, 50-50 au foyer. C'est normal ou anormal selon toi? C'est normal. Ok. Pourquoi? C'est normal parce qu'on parle d'émancipation. Mm-hmm. Émancipation ne veut pas dire que tu ne dois plus faire ton devoir à la maison en tant que femme. Ok. Tu es émancipée, mais à la maison, tu es femme, tu dois être soumise, obéissante et veiller aux travaux domestiques et concourt ou bien contribue au bon développement de ton foyer. Voilà, toi, tu es pour que si l'on perd la maison, la femme peut payer l'électricité ou le courant. Femme a les moyens, pourquoi pas, elle va le faire. Ouais, elle a les moyens. Et elle va le faire. Elle peut le faire selon toi. Elle peut le faire. Farida, il n'y a pas de souci. Oui. Ouais, selon toi, est-ce que l'émancipation de la femme, 50-50 au foyer, normal ou anormal? C'est normal. Normal pour toi? Oui. Ok, pourquoi? C'est parce qu'elle a décidé pour aider son mari. Non, c'est pas décidé, c'est qu'elle est contrainte, dit elle doit le faire. L'homme dit elle doit le faire. Oui, c'est normal. Mm-hmm. Elle peut le faire. Ok, dites-moi, vous trois, si vous avez un mari qui prend un salaire de 100 000 francs par mois, et que vous, la femme qui travaille, vous prenez 200 000, c'est-à-dire que 200 000, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre argent là pour aider l'homme? Oui, Iba. Bon, il y a un adage qui dit l'argent de la femme est pour la femme et l'argent de l'homme est pour la famille. Donc, selon cet adage, je dirais la femme peut contribuer, mais c'est son argent. L'homme n'a pas droit là-dessus. Donc, c'est-à-dire que la femme travaille, elle gagne son argent, elle c'est pas forcé qu'elle... C'est pour se rendre belle pour son homme, en fait. Ah. Anna a refusé. Reine. Oui, ça. Mais selon toi, est-ce que si tu gagnes 200 000, ton mari gagne 100 000, toi, mais déjà 100 000, tu vois que ton mari paye tout ça, là, ça ne peut pas le faire. Combien tu peux donner pour aider ton homme? Oh, ça, c'est pas quelque chose de standard. Si je veux, bien, si je peux faire ceci, je fais, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas une règle aussi à suivre, non. Oui, parce que tu avais dit 50 pour 50-50. Oui. Voilà. Je suis d'accord pour 50-50. Mais affaire d'argent là, femme et argent là, il n'y a pas espace. Non, vous savez, quand tu es pour 50-50, c'est que oui. Si tu prends tes 200 000, l'homme maintenant, lui, il prend, il paie maison, il paie la facture de courant. Oui. L'autre, peut-être nourriture et puis et facture d'eau. Il te laisse ça. Non, ce qu'il va faire dans 100 000, là, d'abord, il va me donner pour mes maquillages. Là. Il enlève dans 100 000. J'ai compris. Hé, Farida, toi, si ton homme a 200 000, toi, 100 000, ton homme a 100 000. Est-ce que c'est bon que tu lui donnes au moins la moitié de ton salaire? Oui, je vais lui donner la moitié de mon salaire. Voilà, 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 voilà une femme. Ça, c'est 50-50, vraiment. Oui. Izumi. Safson. Émancipation de la femme, donc 50-50 dans le foyer. Je soutiens l'émancipation de la femme à 100%. Mmh. 50-50, c'est normal. Mmh. Puisqu'on est là pour le meilleur et pour le pire. Okay. Yeah. Chacun doit contribuer. Affaire d'argent. Oui. Maintenant, affaire de le mari à 100 000 et la femme à 200 000, si la femme doit contribuer et chacun doit contribuer 50 francs. 50-50 par rapport à sa force, sa compétence. Donc, la femme a cette liberté et ce pouvoir et ce droit en même temps de contribuer 50 par rapport à ses 200 000 francs. Et l'homme aussi a aussi cette autorisation de contribuer 50 par rapport à ses 100 000. Merci, c'est sur ça que nous allons clôturer cette émission de ce soir. J'espère que fidèle auditeurs, auditrices, vous allez continuer le débat chez vous. Nous allons vous dire bye bye. Merci à Issimi. Merci Safsa. Merci à Iba. Yes. Merci à Farida. Merci à Ren. Merci à Anna Ignadefou. Tout de suite, vous aurez le bal de samedi avec Anna. Chaud des shows. Ouais. Ouais. Et nous allons terminer avec ce son du jeune Volcano qui a fait sortir ce son le 4 mars. Milado. Volcano, savourez. Moi, c'est Samson Afobukozo. Kozotikoma parlant. À la prochaine. On se dit. Ciao.
ben coucou de coucou ben somme nyola yeah to chala poaji bina ne credo mi voade yeah mireka mila do 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 mila do 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 ya ba ya dudu matine ne mila do 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 mila do 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 ya ba ya dudu matine ne. Lève-toi, reste